C'est la fin de la semaine, bon début de week-end, na mabota na bino, ba fidèle téléspectateur, il y a Pona Congo, aujourd'hui il y a quoi que l'andabiso, ba Congomani nyonso éparpillé dans le monde, mingi mingi, ba obazo l'andabiso ou ta Nord Kivu, ba obazo l'andabiso ou ta Bunagana, ba obazo l'andabiso ou ta Rutshuru, tout ça vraiment d'équerre na bino, lelo spécialement, toyambeli bino, ba pandisango, ba obasala kamosa na bango kitoko. Na mboka na biso na bango toko sola makambo nyonso elekaki na poso oyo tokokoka ko sola na mozindo na oyo etali bongo actualité ndenge ezalaki bongo ko évoluer pendant semaine oyo mobimba tozali na ndeko Félix Tshamala journaliste oyo nazosenga déjà pusana. Mwana mboka mboti na yo. Et ça, il y a des gens qui ont fait des choses. Et ça, il y a des gens qui ont fait des choses. Et ça, il y a des gens qui ont fait des choses. Et ça, il y a journalistes de formation, même ceux qui ont fait des choses, des gens qui ont déjà poussé ça. Malambo kambote na yo. Mbote nipona mi. Na sepeli mingi, lero pesi biso lela ya ingoma politiko ya biso pona ko swa maloba. Na maimatali evolution mboka na biso pe na toni kutondi mingi na ba travailleurs nyonso ya Buzz Television, spécialement na patron na patron ya television ndeko na biso Christian Oseme, ko tolinga na mingi pe ba travailleurs nyonso. Donc, ma téléspectateur, Pébissika Bani Kolandabiso, Pébissika Momote, et Tondi Pé, Botondi Mingi, Naba Kongomani, Banso, Oyo Bakozoali, Baku, Malamu, Yakolandabiso, Natongo, Nayo. Merci mingi ndenge na lobaki tozali vraiment na bapandisango na plateau na biso alelo komeka ko analyser à fond makambo nini zoleka na mboka na biso semaine oyo ezalaki dominé makasi na adresse ya chef de l'état na nation bisika pi président de la république tata Mokonzi Ekolo a bengaki na unité nationale faire taire les divergences politiques pour l'intérêt de notre mère patrie mise en garde na ba traite civile traître civil, paix militaire, appel à la jeunesse, il y a constitué groupe Moko de vigilance, paix appel, il y a jeunesse qui s'enrôler dans la partie armée. Tout le monde a qui n'est pas jeune va répondre favorablement, surtout dans la est, il y a République démocratique du Congo, car la semaine où il y a des avions de chasse, et Tambola qui est comme qui n'a goma paix et bombarda qui banguna, ou et sali, moi, des gamins qui paix, et bango. En dépendante kuna nangambo ya est l'Assemblée nationale ba député ba vota ki interdiction ya mixage pe brassage ya ba terroriste na kati ya armée pe na kati ya police na biso ba ngo ba lobi ke niat likambwana e ko salemaka lisusu te bref semaine ezala ki riche na ba information moi mingi kar na semaine oyo nde ndeko Sonia Rolé ezala ki bon expulsé na mboka na biso force ya ba mikanda Oyo, selon gouvernement Azala qui correspondre te na mikanda naye lelo to komeka ko analyser situation wana au regard de fait ndenge tamboli approche nini stratégique pe géopolitique ko sala pour na ko pacifier est démocratique du Congo est-ce que nous sommes sur la bonne voie est-ce que ndela ni tozo kende est-ce que zali photo zonga na table de négociation est-ce que ndenge to komi boye makambo ezali ko tambola malamu yango nde to ko lobela yango na kati ya émission na biso nde komisa toza déjà na nzela ko rejoindre biso au cours ya émission ya lelo motuna ya yambonde ko Félix Tshamala liboso
tolobela likambetali bongo agression ya Rwanda au RDC zali victime lelo mukolele ki lobby tomona ki communiqué ya UNPC koloba ke ba journaliste nyonso ba kopesa micro na bango to plume na bango na ba traître ya république to pe ba agresseur ya république ba kozala bongo komona kozala retirer ba carte na bango pe kozala ba kobenga na bango na carte ya corporation. Est-ce que vous pensez que ezali ko restreindre liberté de la presse, soit c'est une bonne décision? Bon, je pense que dès le départ esa décision en motuya. Parce que Sengeli Koyeba, ici, sur la République démocratique du Congo, Mingi-Mingina Kinshasa, il y a deux gens qui ne savent pas que ça, la Oyotobenga, Oya Motuya, na Oyetali, Moussala Toro Kosala, Yako Pansasan. Au moment où on a été, Ngaikutu, Yaba journaliste, Moussousou, Ngaï, Nalobi Koutou, que de la sola qui n'a président INPC na UBC et que il fallait qu'il boke ni musika ko suka kaka na ba oyo ba ko pesa micro ou bien ba ko sala que ba passer ba message à mabe o banguna ba ko bondisa République démocratique du Congo mais singela ki ko kende tipe na ba réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ezape sika oyo to komo na bande ko na biso bako bundisa Congo na ba écrit na bango na ba commentaire na bango na ba message na bango bande ko ba journaliste essayer ko yeba que métier to ko salango esa métier moko noble mais lelo esalanga pasi ya kozwa métier wana ko lobali sous que esa métier noble. Pourquoi? Parce que surtout à Kinshasa batubaye komwa na ketango to le ba liberté de presse ba commission ngo libertinage to komwa na bande komususu toza na tango oyo ya guerre na tango oyo ya guerre esengeli ke bomoko tango to ko tambola na epa ya bande komususu na ba pays mususu o komwa na ke soki ke mboka ezana eza attaqué Moutunyoso, Azokananu, Ozala opposition, majorité, société civile, Bazunanu Kazaka Nabango Bache Mupanzi, pour que ba Salanyoso, ba Bengana Munguna. Ce qui n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo. Surtout, il y a de ces journalistes manipulés par des politiciens. Parce que Sengeli Koyeba que le loi na Kinshasa et Komakabongo. Deux journalistes au service, il y a des politiciens. Alors, ils sont commandités par ces politiciens-là. Bo salaboy. T'en as posé que bo le baboy. Pour que peut-être un jour, on se retrouve à un dialogue. Ou bien un jour, et indakaka population, ba indakaka. Ou ya ko kambamboka. Yango nande, ngay na ko sepela na mukan. Wana makasi. Na koloba ke INPC sengeli asuka wana te sengeli kokende parce que bande ko na biso mosusu ba ko vanda lobi a ndeni na koki ko sala lisusu mabe pa ba kongole azu lisusu chombo na yo komona abengi molobeli moko ya groupe armé pour que apesa ka ba information moko oyo ko sala mabe pa ba banamboka Mwamboka Félix Tamara tango zolo ba yambo to pesa ndeko désiré maloba tango zolo ba que très très ezana niveau ni parce que ceux qui par exemple les Kamboy FARDC a reculé to peni ni journaliste azana makoki a ko informer à quel moment est commis trahison. Non, je pense que commis trahison ba information yo ya intoxication tango na ko loba bongo tango tuni mutuna malamu a quel moment oye komaka qui va commis ba traître. Moi je pense que oyebi ke tanto ko sala musala oyo biso nyonso to tangele en classe le journaliste reste dans le fait. Voilà, comme par exemple Rutshuru Ekweyi. Ce que Rutshuru Ekweyi aux Unis, au pèse information tu restes dans le fait. Mais les lots qui journalisent montrent comment on a su que commis que montrent que ça la papier a que ça la n'a moins parti pris, c'est-à-dire que papier montre qu'on mêlé va éviter non Rutshuru Ekweyi
tala sikoyo ndeni no kokomela ngo pour que et qu'on soulevait soulevé et révolté population, et tandis que Makamboa Kokomakuna est un malam. Anglais, Zulie. Anglais, est un malam. C'est le temps. Il y a que Bissonio soit congolais, to simbana na maboko. Très bien. Tout ça, la nyon so pour que. Parce que, oui, bien, dans ce pays, on a un peu français, un peu nani. Ce qui est basé, tant que tu as comme moi, du monde, il y a un peu de monde qui bande quoi na ba journaliste wana soki ke jour wana bazo beta likambo pona lokou mo France ou bien France c'est un problème au boye au komo na ba kosala nyonso pour que ba kumisa mboka ona ba ata soki ba yebi ke likambo esali yango na nga na ko senga bande ko na biso ba journaliste parce que nga ba mususu na ko benga na benga ali susu bango ba journaliste te na ko mo benga ngo ba journaleux. Très bien, merci. Ndeko Désiré Chimenkoy, tu bien que tu as une formation dans le domaine du journalisme et aux alliés politiques. Apparemment, il y a une union sacrée. Tu as un problème. Tu as une critique. Tu as un journaliste qui a une opposition. Tu as une B, presse congolaise. À quel moment tu as trouvé que presse congolaise est un bon moment à la montée? Bon, au fait, Ndeko Naomi, mais merci pour la maloba, mais je pense que par rapport à la situation où tu as connaître, ils ont une situation à camp politique, tu as une union sacrée. Ils ont une situation à société civile, ils ont une situation à opposition, ils ont une situation à Mboka. Et tant que tu as dit que Bapanzi Sango, la République démocratique du Congo. Ce sont des journalistes congolais. Mais ce qui est l'État congolais, dans sa forme démocratique, et à l'île sous coexister, est-ce que tu as bétali solo à journaliste congolais? Donc, vous comprenez là que l'article 64, il y a la Constitution d'Abisso, et à l'île que les Congolais sont à la journaliste, et à la commerçant, et à la je ne sais qui. Possibilité y a côté les melamutu nyonso o ali na na makanisi mutu plutôt topé lisanga ya batu o bazwi likanisi y a kozwa pouvoir na nzela ya violence. C'est la constitution de la République démocratique du Congo qui le dit, et cette mission là patriotique et ali pe mission ya bapanzi sango. Parce que si l'État congolais est allé coexister, tu auras les missions à Tongo et Loté, n'a pas quoi tu se retrouver, tu peux te recommander. Mais là, il s'agit de Mokanabiso qui est allé agresser par un autre État. Comment trouvez-vous normal que Bapanzi Sango et Mokanabiso, Bapanzi Sango a apologie, il y a un groupe terroriste, ou il y a allé attaquer Mokanabiso? Est-ce que les se retrouvent par exemple dans le Nigeria? La presse, il y a Mokanabiso. Est-ce que baroki ko zoa mokano ya ko relayer ba information ya Boko Haram o to ebi ki ali groupe terroriste topé au Kenya États-Unis au tolobi de pays en vieille démocratie? Est-ce que les journalistes américains peuvent se permettre ya ko relayer ba information favorablement pour le groupe terroriste et Al-Qaïda? Ça ne se fera pas. Donc toza na situation moko o batou bali ko comprendre l'autre côté, et je pense qu'il faut une certaine rigueur. Tout le journaliste qui relaye bah information oyo etali bah groupe terroriste au balik attaquer Mbokanabiso, au-delà du fait qu'il faut qu'on retire carte et presse, il faut qu'on déférer bango devant les juridictions compétentes, parce que là il s'agit de notre poumon, l'État congolais qui est attaqué. Vous pensez pas et que notre constitution c'est un niveau au bazo luka ba stimuler le gouvernement à ça mieux. Par exemple, tout le monde qui va déco sur Twitter que ça la affiche Bounagana depuis 150 jours, Bounagana depuis et ça la sens ya stimuler le gouvernement à ça la mieux. Rien à voir avec les sens, c'est tout simplement sens ya ko se manquer, et on ne peut pas ko se manquer na mboka oyali etangi sio et pesio pe mayele pesio pe isika ko sala. Donc bisika wana ndi ali ko na mbilinga mbilinga ezali mingi, mais il faut tozo ba mesure lelo pour na ko sanctionner tous les journalistes qui se comportent de cette manière. Ce n'est pas patriotique, parce que eyali pe na liberté na kati ya constitution mboka na biso nde lo ba miete liberté à presse ezali garantie, mais la même constitution eyali ko protéger mboka na biso. Donc nous avons intérêt de protéger la République démocratique du Congo avant d'entrer dans le cadre de clivage politique. Mais awa na lipe na proposition o ya lingomba politique na biso par rapport à Maé,
Mali koleka na est parce que président de la République a outre ko pesa makanisi na ye alobi il faut qu'on mobilise population mobimba par rapport à la situation oyo mboka et ali ko connaître. Mais là encore je pense que la presse a une très grande responsabilité à jouer. Et là tu as dit que c'est la ministre Patrick Muyaya de pouvoir aider la nation. À un certain moment, il faut éviter d'être, je ne sais pas quel terme utiliser, trop gentil, trop quoi. Nous avons un problème. Lorsque tu connaîtras qui situation à COVID-19, on a mobilisé toute la presse pour accorder ne fût-ce que 5 minutes naba programme nabango pour pouvoir passer l'information. Il y a comment la population peut se protéger par rapport à la situation de COVID-19. Mais là, nous avons une situation d'agression, il y a un mot cannabis par un autre État, mais il n'y a aucune communication, il n'y a aucune stratégie de communication au niveau du gouvernement pour permettre à la population d'être alertée. Le chef de l'État dit qu'il fallait que la jeunesse puisse intégrer l'armée. Mais si vous regardez bien, vous constatez que jeunes, au Bali Kokota en armée, et Alika Bajen, Mingi Mingi, je vais dire, il y a Est. Ce n'est pas parce que d'autres jeunes qui sont dans d'autres provinces ne veulent pas participer à ça, mais est-ce qu'ils sont informés? Est-ce que la jeunesse congolaise dans son entièreté est informée? Donc presque ça. Est-ce qu'elle est suffisamment informée? C'est ça la question, c'est ça le rôle du ministre de la Communication. Est-ce que la population, la jeunesse congolaise dans son entièreté, est informée de cet appel du chef de l'État? Parce que dans tous les territoires, dans les 145 territoires de notre pays, il y a des chaînes communautaires, des radios qui relaient des informations parfois, basant la possibilité de l'Andabiso à Kinshasa. Mais il faut définir une politique aujourd'hui pour que ces messages, il y a chef de l'État, où ils allaient qu'au Sengan, à peuple, le chef de l'État n'a pas demandé à la jeunesse de l'Est, la jeunesse gomatracienne ou kivusienne. C'est à la jeunesse congolaise. Donc il faut étendre ces messages. Il faut approcher la presse. Parce que nous avons une situation, il faut mobiliser la population. Est-ce que toute la population connaît ce que notre pays traverse aujourd'hui? Parce qu'il n'y a qu'une fraction de la population. L'élite. Donc, tu as dit que la ministre de la Communication et des Médias de pouvoir définir un plan de communication de crise pour permettre à toute la population d'être au parfum de la situation. Parce que si le ministre ne communique pas, d'autres personnes vont communiquer à sa place et ça très sera bien. Dangereux. Merci, merci beaucoup, Ndeko Désiré. Mon amboka Félix Tshimanga, Lelo, est-ce que Namboka Tshimala, plutôt, Lelo, est-ce que Namboka Nabistokoye Koloba, que liberté de la presse est allée mise en mal? Parce que récemment, j'ai d'assala qui rapport Naye Kota de ça que Kokangama ba journaliste, ils ont continué, arrestation, ils ont continué, journaliste et belé, déclaré que Baza poursuivi pour n'avoir fait n'a bango d'opinion. Et est-ce que le lot du côté point de vue liberté de presse tout coco le bac tout évolué tout redressé? Bon, je pense que avant n'a comment n'a répondre dans mon tournant n'a yo n'a outil koyoka ndeko à quoi accuser Patrick Muyaya, ministre à communication n'a ou Italie communication na mai etali message ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour na intégration ya ba jeune na kati ya groupe armé. Na lingina rappeler ndeko que na semaine otaki koleka Patrick Muyaya asalaki point de presse ya Motuya na porte-parole ya armée liboso ya ba panzisango pour na kolakisa do lenge nini makambo ezo kende na kati ya mboka. À part ça, il y a eu toute une réunion au niveau de l'INPC, le ministre de la Communication, pour la côte à l'Olingeni, il y a un journaliste qui se singeli à Tambola. Il y a un journaliste qui a été nommé comme un journaliste qui a été nommé comme un journaliste qui a été nommé comme un journaliste qui a et bah continue d'aller bosser INPC pour que INPC a sanctionné. Donc on est singuli que Patrick Muyaya zana katia kosala musala le lenge singuli na ebite bandeko ba mesana kana communication wana ya ke muto ko kende a koloba ko agresser sans que azala na étude moko sur santé.
sengeli koyeba ke tango tozana kati ya mboka nde na uti ko yoka zolo ba ke population kaka ya est parce que batala kinde video na yebi ke esengeli kotala ba information makasi awa na Kinshasa ya 3 jours oyo deuxième délégation ya ba jeune et uti ko kende na formation pour na ko rejoindre oyo ya centre ya Kananga kuna pour ma formation. Tu occupes na chikapa ba. Ah oui, na chikapa pe na mbujimayi pe na uta écoute même kolanda parce que na ça correspondait à une chaîne de là. Na uta écoute même kolanda qui a deux jeunes voire même na lwalaba. Esika et pas ya fifi masuka au le jour oyo mela ya chef de l'état ikoyaki a passa ki message esika o akozala na mission na Belgique. Pour na koyebisa ba jeune ya lwalaba que esengeli to landa message ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ya kokende ko s'enrouler parce que likambo o etali est eza kaka likambo ya ba oyo ba kozala kuna te likambo o etali est eza mabele ya Congo eza mabele ya est de la République démocratique du Congo ya mwande na ingana kisande ko na ngai ya koyebisa ye que Patrick Muyaya akosala musala Isa kaka batu mususu nde ba komona ngote parce que to ko participer na ba sali parallélisme par rapport ya tango ya covid 19 mobilisation ya makasi wana pe ezate oyebi soki bolobi que mobilisation ya makasi bolingi botolo banini parce que soki okolanda RTNC okolanda ba chaîne na biso national okomona que message ekoleka ba ko mobiliser bato pona makambo armé toko landango mais mon tonyo sont été à la RTNC fallait c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit yo yangwana na koloba yangwana na koloba que tango a koloba que esengeli que message kende et s'élargir ce qui azalaki na point de presse ya Patrick Muyaya ezalaki parmi ba point o ba journaliste ba souleva ki et yango coûte même ce que talib ya ba chaîne mususu déjà est commis koleka message oyo etali que ba jeune bazonga baya ba soutenir ba oyo bazaya biso mais esengeli koye ba pe que na kati wana eza batu mususu o ba koya ne na mona ki ba communicateur mususu ya opposition ba koloba ki ba lingi que ba jeune ba kende to lingi que avant que biso to kende esengeli na mona tata mokonzi pe azaya elenge a kende na pe ko bunda nyonso na nde totali to lobi que et singeli que population va comprendre parce que le problème du peuple congolais ngana lobakango biso ba congolais eza eloko eloko moko peuple congolais alingaka ko s'informer te batebele o komona ba kotambola awa azana télévision e panaye azana radio azana téléphone lelo kout même que information komiti na téléphone na biso awa information zokuya mais ye kout wana etaliété ye musala na ye ka ba série ba film na biso ya batibasi ba théâtre na biso ya Congo awa azwaka ta minute moko ya koyoka te bango ezaka ba information ya banzela nzela maintenant suko olingi ke muto bongo muyaya aya biso mama yo il faut le carado chaque jour po ye ba situation ni nyamboka ezokende chaque jour ya l'évolution ya makamonde ezokende na est mais problème ya congolais a s'informa kate Arobi manatongo na pokwa atali télévision na ayebi atake lelo nini sali mina kati ya Congo makambo ba ko lobana est sali minini ba mususu ba ko ramasse kout même makambo na nzela e komi discussion ya wana biso pe population eza pe par na biso ya koyeba ke et surtout na Congo et loko na ye ko mona eza ke tolinga ko soutenir kaya mabe ce ko moni information kitoko mikolo yo touti ko bombarder na niveau ya Rutshuru est-ce que mobilisation wana o comprena kawana eza ti mais tant oko kende soki balakisi ke na M23 babomi bazu ba photo oko mwana chaque congolais akotia ponani nyonso wana ya ngone ndio ko moni tata mokonzi mboka lobi ke esengeli to cha ba biloko na biso ba politique mopanzi na question oyo tu koloba ya on est une minute rappelez-moi ya liberté à presse ngayi na lobaka ngo très bien na Congo liberté à presse ezali mais eza ba journaliste oba ko sala lelo
nde bayebi lolenge nini ya kosalela parce que nous tous on a eu de cours droit et devoir ya journaliste journaliste a peine à droit nae a peine à devoir nae mais ebele awa surtout lelo makambo ya YouTube lelo mutunyo so komika ka boyazu mo micro abani ayebi ata éthique na déontologie wana te et komi to komika okindeka bongo ya ngana ko lo baba journaliste okomona muntu akeli liboso il y a télévision encore confirmé biloko écoute même attends encore tu attends la conditionnalité mais encore confirmé il y a moins d'un délai loco moins de belles bakangamaka pour la ligne coquine de co diffamer batu na babiloko oh ya locuta coquine de co le bakamo oh yo ezangitina écoute même aux ans la confirmation na ngote n'attends moi Félix tu sais que dit il y a la liberté de presse na le lengo otozaki n'attends moi ndeko Joseph Kabila Nathan Félix Tshisekedi, il y a une différence qui est établie. Mais et lokoto ko senga na bande ko na biso ba journaliste et singeli koye ba pe ba devoir na yo. Le lengeni ne ko ki ko communiquer, le lengeni ne ko ko pe sa message. De gonzo revendiquer droit oye ba pe devoir. Ah oui, nde lelo to mona ko liberté de presse. Mais il faut singeli ba ba pe que ba za pe na ba devoir na bango. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux journalistes de cesser d'être derrière les hommes politiques. Journalistes, ceux qui ont commis... Est-ce que c'est interdit quelque part? Non, non. Quand j'ai dit de cesser d'être derrière les hommes politiques, ça signifie quoi? Ils sont manipulés par des hommes politiques. Nous, nous fréquentons ce monde. Tous les masse de belé, on a naïbi. Le journalisme au niveau du Congo, ils en ont à Salema. Aujourd'hui, tu vas voir qu'un journaliste qui quitte chez lui à la maison, va passer déjà l'information qu'il n'y a pas de pourquoi pour plaire à quelqu'un. Il y a au moment où tu as la carabine, tu as perdre valeur, sens, n'a besoin. Très bien, merci beaucoup. On désiré rapidement dossier à Sona Sonia Rolé Ozalaki Bongo et plus Senamboka Nabiso et salimoa polémique le journaliste Ming Baramasa qui pour le Lobake et allez atteindre la liberté de la presse. Comment est-ce que vous personnellement vous analysez ce dossier? Bon ndeko Naomi avant na koma kuna na bandana na moi éclairage par rapport ma ndeko nanga Felia uti koloba Félix, je m'excuse. Ndeko Félix, bisoba soawa na katia plateau to sala ba étude ba bengi science de l'information et de la communication. Et nous tous en situation en régime particulier. Oto bengi situation d'agression externe. Et le chef de l'État en tant que chef de l'exécutif, il a donné sa vision par rapport à cette situation. Il demande au peuple de se mobiliser. Et il demande à la jeunesse d'intégrer l'armée. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Cette vision doit être matérialisée par le gouvernement, spécifiquement par le ministre des Communications et Médias, avec un plan de communication d'urgence. Ce n'est pas un point de presse. Le point de presse n'est pas une stratégie de communication. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis désolé. La stratégie de communication consiste à adapter une communication par rapport à une situation donnée. Et le patron de la communication, Nakati Mboka Nabiso, et le ministre Patrick Muyaya. C'est lui qui doit donner des directives. Il ne s'agit pas de l'attaquer. J'ai dit ici que nous devons aider les chefs de l'État. Il ne faut pas défendre les gens par plaisir. Nous avons un problème et vous assimilez une stratégie de communication à un point de presse. Ça n'a pas de sens. La stratégie de communication consiste à adapter la communication d'un État, d'une organisation, d'une plateforme, d'un parti politique, par rapport à une situation donnée. Quelle est la stratégie de communication du gouvernement par rapport à l'agression aujourd'hui? C'est le point de presse? Il ne faut pas dire de choses. Et donc, par rapport à la situation où il y a Ndeko Sonia Rolé, je pense que le journaliste ne bénéficie pas d'un régime particulier. Parce qu'il faut toujours interroger le droit. Que ce soit au Congo, que ce soit à l'étranger, est-ce que notre législation, le droit positif congolais, traite les journalistes avec un régime spécifique? C'est ça la question fondamentale. Non. Le journaliste est un citoyen comme tout autre citoyen. C'est-à-dire, le fait d'être journaliste ne vous consacre pas le traitement particulier devant la loi. Je pense que c'est la bataille que la presse mène depuis deux jours, mais elle n'a pas encore abouti. C'est-à-dire, entre une maman, Oyatekaka na Wenzi, Akosi, Afingi,
Et le journaliste, Oyasalakana Congo Buzz, Akosi, Afingi, le traitement devant la loi est le même. Ce sont tous des citoyens congolais. Mais bon, il y a une certaine récupération. Qu'est-ce qu'on attend par le concept de liberté de presse? Dans la presse, nous avons la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Le journaliste, c'est ça le travail du journaliste de chaque jour. Le journaliste est libre d'aller collecter une information, que ce soit l'information de l'opposition, que ce soit l'information de la société civile, que ce soit l'information à la majorité. Azana liberté wana. Et je pense que na niveau on a tous d'accord que liberté wana est ali garantie. Journaliste nyon soit ali na liberté à kokende na UDPS à collecter, à traiter, à diffuser de même à qui n'a pas perdu, à qui n'a lamuka, à qui n'a baï politique moussousou et il est libre dans cet état de fait. Mais maintenant, bon, malheureusement, moi j'explique la situation du gouvernement. Ce qui est au Kenalamouka, Babo Yokota, on est allé gâter. Mais on a dit qu'on paie ça, point de vue par rapport à subjectivité, où il y a animé par journaliste. Les journalistes sont citoyens, il peut avoir une position. Mais selon Yves Agnès, où il y a établir différence entre. Le régime de traitement de l'information du point de vue de l'objectivité, c'est-à-dire il faut que l'événement exala pour que le journaliste soit en action, et la subjectivité qui doit en elle résulter de l'objectivité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire événement, il y a inondation, il s'est passé dans la ville de Kinshasa et qu'il y a 3 morts. Les journalistes collectent, traitent, ils diffusent cette information. Mais dans une phase qui s'appelle éditoriale, là où le journaliste peut avoir son point de vue propre, le journaliste peut faire un commentaire par rapport à la situation qui a prévalu. Et ce spécialiste dit, le journaliste qui n'a pas traité une information, c'est-à-dire si tu n'as pas traité ce dossier, il appelle dossier, tu n'es pas forcément obligé d'en découdre dans un éditorial parce qu'on suppose que tu n'as pas d'éléments. Mais la plupart y a bali bapandi sangona mboka na biso bali ko fonctionner na auto bengi éditorial chaque jour. On ne voit que des éditos. Tous les journalistes là qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube sont toujours dans l'éditorial. Ils ne sont plus dans les traitements de l'information. Or, le centre nerveux du journalisme, c'est la collecte, le traitement et la diffusion. Parce que l'éditorial pousse les journalistes à empiéter aux droits des autres. Et quand tu empiètes mon droit, moi, citoyen congolais Désiré Tshimbekoé, en tout cas, moi, je ne vais pas te regarder parce que tu es journaliste. Tu es citoyen congolais et tu piétines mon droit, je t'amène devant la loi. Cela n'a rien à voir avec le gouvernement. Tout comme ceux qui, journaliste, mi balé babundi. L'État ne peut pas les exonérer des traitements légaux parce que bali ba journaliste ba malelo ba zolo bela mingi ba menace ba interpellation par rapport à ba point bien de sûr journaliste oya kosi a diffusé information à l'okuta oya ali na ba preuve t azali susceptible à se présenter devant la loi devant la justice pour que la justice ait attendre. Cela n'a rien à voir avec la restriction à liberté de presse lingi koloba. Ne pas journaliste, baza boye, baza li sous na capacité, na possibilité te, ya ko collecter, ya ko traiter ba information, nenge ya li koluk. Soit te ba censurer. Depuis que Félix Tshisekedi est venu, on a censuré quel média? On a fermé quelle chaîne de télévision? On n'a jamais fermé la chaîne de télévision. Parce qu'on considère qu'une chaîne de télévision, une chaîne de radio, c'est la matrice qui produit les informations. On interpelle plutôt les individus qui se comportent mal. Mais on a vu ici, il n'y a pas longtemps, CCTV, chaîne Abisso, Oya Jean-Pierre Bemba, et c'est là qui fermait. Radio Capi, et c'est là qui fermait. RFI même, Bassignana, et c'est là qui brouillait. C'est cela, la restriction de la liberté d'information. Parce que les gens ont besoin de la radio Capi pour s'informer, mais le régime vient, il bloque. Les gens ont besoin de CCTV pour s'informer, le régime vient, il bloque. Les gens ont besoin de RFI pour avoir les informations, le régime vient, il bloque. C'est ça, la restriction de la liberté de presse. Par contre, ce qui n'est qu'on a omis, ou à les journalistes et à Congo Buzz, à divulguer l'information à l'Okuta, le magistrat, la justice a la compétence et à Kobeni Sande Konaomi, sans pour autant qu'on restreindre liberté, il y a presse, il y a Congo Buzz, ou il y a les organes. On appelle Ndeko Naomi pour donner des explications. À répondre, Nabafena. Alors, okay. Même Ndeko, situation Ndeko Sonia Relais,
c'est une situation normale. Parce que comme elle est journaliste, pourquoi on vient avoir à faire un problème? Elle n'était plus en règle avec ses documents administratifs au Congo. Est-ce que tu peux faire pareil en France? Ok, France, aux alentours de séjour, il y a 20 jours, et tu dépasses parce que tu es journaliste congolais. Selon ma information, Alexandre, à 10 jours, apparemment, il y a des faits derrière. Il n'y a pas de fait derrière. Il faut qu'on arrête d'alimenter des débats qui sont parfois inutiles. Tout le monde a un de Konabiso, comédien, comme on a l'été à Kanda, à Kendaki, France, d'une manière irrégulière. Si c'est Belgique, quelque chose comme ça. On l'a renvoyé dans ce pays, tel qu'il était parti. Il a fait des tours dans des vols. Et il n'y a personne qui a parlé parce que c'est un Congolais, c'est un comédien. Mais pourquoi aujourd'hui, si on demande à une dame journaliste française qui était plus en règle avec les documents au Congo de rentrer dans ce pays, cela doit devenir un rien à voir avec la liberté de la presse. Tout sur le deuxième sujet, rapidement, Likambete Ali Bongo, situation sécuritaire est la République démocratique du Congo. Monsieur Félix Tchamala, vous êtes journaliste, ingénieur de la société. Comment vous jugez-vous l'action et le gouvernement dans la période où il y a crise? Bon, je pense, avant na kende ko répondre mon tounanayo, Ndeko, quand je parle ici, Isaac, na maloba oyaye a lobi que le ministre n'informe surtout pas na o Itali, makambo ezana est en boka. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Naibi que ce qui aza dans le Congo ou bien Zawapi. Et Sengeli Koyeba que pour l'instant, parmi les stratégies de la communication pour sensibiliser la population, pour que la situation à l'Est ne se déroule du jour au jour, l'ANDA RTNC, il y a toute une émission spéciale que le ministre de la Communication et Médias. Une émission n'est pas une stratégie, mon frère. Bon, je pense que... Je suis spécialiste de ce domaine-là. Mon frère, une émission n'est pas une stratégie. Mon frère, Naïbi, si vous voulez me dire que lorsqu'on monte une stratégie de communication... Cette stratégie s'appelle comment? S'il vous plaît. Est-ce que, s'il vous plaît, je peux parler? Tango banda koloba, Naïbi que... Nambana ki, badeba bongo, tolingangote, tokende, tozoloba. Onga suki na lobi, omoni que... Et plaire et ote, et ça c'est long... Moi, je parle, et je te l'ai dit, que parmi les stratégies à communication, au Batoubakouki Kotia, émission Isali. Pour faire passer message, ou bien pour faire attendre message Nabango, émission Isali. Ce qui que Yozo Lobake, ce qui Yozo s'inventait que parmi bah Banini parmi au état de stratégie à communication oyo société et ko sala pour que backend de liboso que ba émission exacte wana italio ya wana nyinga kana loba parmi ces stratégies oyo ministre à communication a eu il y a deux émissions parce que je parle parce que namoko na sala ba plan de communication ba stratégie à communication dans des grandes entreprises. Oh, parmi, on utilise tous ces moyens de communication parce que émission est un canal pour que l'information est qu'elle est. Non, le problème, il faut maintenant savoir comment. Et c'est ce que tout ça là, ce qui est essentiel. RTNC, c'est une chaîne nationale où les autres allaient partout. Pour comprendre, il y a les autres allaient partout. Et dans beaucoup de nos institutions, où les autres allaient partout. Chaîne Oyo Babatalaka et sa RTNC. Mais ce qui est Kokende na ba chaîne Moussous, parce que yo yebi que le lo na chaîne loko na Congo Besbo, et ba yena litambo o Italie armée, na yebi que R Moko bo obligé que non, et sa litambo publicité ou bien et sa boye, moi, likonda e koya. Mais yamwa na gouvernement, bazana katia ko étudier, n'engeni ni ko sélectionne ba chaîne Oyo, et sa malam pour que ko mene, lutte wana, ya pour sensibiliser population sur likambo o Italie, makambo Est. Et en même temps aussi, parmi ma stratégie à communication, Oyo, Patrick Mouya a été en place. A Ebisaki, ba panzi sangoboye. Tant que vous avez l'information, Oyo Itali, Likambo, Oya Est,
et sengelite au publier en haut le même moment. Et Sengeli au recourir, parce qu'il y avait même le porte-parole, au FRDC, au Azalaki, na Kati, à point de presse, à faire passer numéro Naye pour que à chaque fois, si un journaliste veut voir développement, il y a situation, il y a guerre na Kati à Est, parce que Pesaki, exemple, que une ville peut être récupérée, une ville, Bakokiko Kangango, par exemple, Mungona Koutine à 10 heures, mais à 12 heures. Au moins que FRDC a récupéré en gros. Mais si toi, le journaliste, vous avez une information à 10h, ou l'équilibre soit à la télévision, le week-end, non, retour aux As, Namaboko M23. Au moins que ta façon de communiquer avec Salama Lamouté. La ligne est un peu naïve, dépend de la ligne. Il y a des stratégies de communication où ils ont Patrick Mouyaïté sur place pour accompagner le gouvernement dans l'Oye Tali, population Bayeba, développement Yaroyeba. Et Sengeli Pekoyeba que. Toutes les stratégies où ils ont salement à niveau et armé, nous sommes et nous avons sur place publique. Yangwana esengeli que batubaye banata à guerre, ogoko ya koloba makambo o nyonso stratégie nyonso peut-être FRDC ba ko sala pona ko attaquer munguna na kati ya plateau de tozabo yo no FRDC ba sali boté. Wana esale makate na o Italie na bokambi ya ba militaire. Au dévoilé bas secret na bino bosana ta malgré que guerre en gros appel médiatique yé mon Patrick Moyalo oui guerre est médiatique, il faut informer la population où en sommes nous mais on peut pas donner la population ma stratégie ou FRDC bosana ta tchao salé. Soyez au moins clair avec la communication, c'est à dire soyez au moins clair. Il y a un endé na koloba que toutes les stratégies sont mises en place parce que tant moto comme moi na. Parce que nous allons comprendre tes bas points de presse, Yamouyaya, ce n'est pas une façon de communiquer à la population. Ce n'est pas une façon de communiquer. Wana ou bien peut-être à Zouya Kosala théâtre. Gouvernement Nabisso. N'en comprendre que à travers Maloba O, Tata Mokonziambo, Kalobaki, Félix Antoine Tshisekedi, il y a que la mobilisation générale, il y a population Nyonso. N'en comprendre que il y a certains politiciens au. Basui au moins sens il y a problème qu'on ça la proposition qu'on ça la oléza montouya donc on a payé au niveau de la population parce que batouba koye baté niveau il y a grandeur où il y a problème en tout ça il y a problème que le Congo il y a le coup la moins sur il y a kito komiba libélé bar kota là. Tchamala, tu rapidement dans le monde où il y a une situation sécuritaire est de la République démocratique du Congo. Tu as un désiré. Est-ce que na tango tu commis na makambonyo son ding et salimi à sommes-nous sur la bonne voie? Na ou est-ce que l'agression rwandaise ou tu as un coup faire face na ou? Ok, Ndeko, Naomi, merci beaucoup. Tu as un zon à mouke comme ça na abordé question en a et ça trop crucial. Ndeko, Nanga Félix. Je pense que le droit de réponse, ce n'est pas une stratégie de communication. C'est un principe journalistique qui consiste à accorder la parole aux deux protagonistes lorsqu'il y a une allégation qui est faite. C'est-à-dire, tant que porte-parole, le général Sylvain Ekenge, Aliko Yepsaba journaliste, qui ont besoin d'informations dans Ngambo et Bangunda, pour recourir à la FARDC pour que Bango peut payer sa son de cloche na Bango par rapport à la même information sur le droit de réponse. Ce n'est pas encore, je répète, ce n'est pas une stratégie de communication. Est-ce que Naloba qui ok, alors, ce temps où il y a un temps où il y a avancé, il y a que non, on ne peut pas mettre tout en place. Non. Et ce n'est pas la politique de la défense qu'on demande de mettre ici à la place, sur la place publique. C'est le message du chef de l'État. Il n'y a rien à cacher là-bas. Je suis de l'Union sacrée. Vous, vous êtes journaliste. Je suis beaucoup plus dans la chose. Mais je dis bien, il faut aider chef de l'État à travailler. Il ne faut pas flatter si ça ne marche pas. Ce sont nos gens. Ce sont le ministre du gouvernement. Si ça ne marche pas, nous devons leur dire que monsieur le ministre a rangé les tirs. On a besoin de mobiliser la population. Le chef de l'État a lancé l'appel. Ça va bientôt faire... Ça a déjà fait une semaine. Combien de jeunes se sont déjà mobilisés? Vous êtes fiers de ce nombre-là? Non. C'est notre pays. Pour vous, il y a combien de jeunes? C'est notre pays. Et par rapport à l'enjeu, à la grandeur de la situation, nous devons être exigeants vis-à-vis de ceux qui gèrent au quotidien la situation.
importante. Le message que moi j'adresse au ministre de la communication, c'est de définir clairement une stratégie de communication. Qui existe, tout ce que tu as, non, existe déjà. Non, non, il n'existe pas. Le point de presse n'est pas une stratégie. Je n'ai pas parlé du journaliste. Est-ce que... Laisse-moi parler. Je n'ai pas parlé du point de presse. Le droit de réponse n'est pas aussi une stratégie de communication. Je n'ai pas parlé du point de presse. Ce sont des principes qui existent. Et si vraiment tu es dans le métier, tu dois connaître ça. Ce n'est pas une innovation. Une émission n'est pas une stratégie de communication. Pas de problème. OK ? Là, on vous suit, n'est pas une stratégie et non, n'est pas dans une. C'est différent. Non, mais moi, j'ai dit, parmi les stratégies de communication, de moyens qu'on fait pour... Non, non, j'ai dit une... Atteindre les gens, il y a des émissions. J'ai dit ceci. Une mission n'est pas une stratégie de communication, mais peut être dans une stratégie de communication. Mais tu me rejoins. Tu me rejoins. Je parle français. Non, non, mais j'ai dit dans une, c'est différent. Tu me rejoins. Alors, j'avance, j'ai dit. Émission est sa stratégie de communication. S'il vous plaît. Si l'émission doit être. L'émission en elle ne peut pas être une stratégie de communication. Elle peut faire partie d'une stratégie de communication. Mais c'est ce que j'ai dit, Non. Mais la stratégie elle-même doit exister. Donc, l'émission est une partie, peut être une partie intégrante de la stratégie de communication. Merci pour venir dans mon camp. Okay? Rapidement. Donc, il faut merci pour venir dans mon camp parce que Okomi place dans la Zalaki. Merci beaucoup. Mais, jusque-là, au gouvernement, il n'existe pas une stratégie de communication. Il ne faut pas venir flatter merci les gens beaucoup. Ici si ça ne marche pas. Merci donc, beaucoup. Ici, Nabane Koloba, par rapport à la situation à Est, que le gouvernement a pris des mesures, notamment le renforcement de moyens en ce qui concerne la politique de la défense. Nous sommes là à un budget de 1,5 milliard de dollars. C'est déjà un très bon pas. Mais et là, quoi, il faut bande konabiso o bavaninanda qu'il faut bailler, c'est que notre pays, notre armée fait face à deux armées régulières. C'est ce qu'on peut, on n'arrive pas peut-être à dire parce qu'il y a des gens qui critiquent sur fond de supputation. Ici, biso banso toali convaincu que nous sommes attaqués par le Rwanda. Oezali, armée régulière, soutenue par le multinational. Mais de notre point de vue, le ministre des Affaires étrangères l'a dit au cours d'un point de presse, que James Kabarebe a dit au cours d'une réunion que, bon, bino watakaka biso kaba rwandende batu toali ko semer trouble na RDC, mais vous ne parlez jamais de l'Ouganda. Et pas plus tard que 2, 3, 4 jours, on a des informations selon lesquelles les forces armées ougandaises rejoignent le groupe du 23 mars pour pouvoir attaquer nos positions, les positions de l'armée congolaise. Donc, du point de vue diplomatique, nous voyons que nous faisons face à un groupe terroriste. Mais derrière ce groupe terroriste, il y a deux armées régulières. Il y a l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. L'armée ougandaise donc, qui fait partie, il y a l'armée Zobundape, le groupe régional. Donc, il y a appuyé à le groupe le 23 mars pour s'attaquer à l'armée congolaise. Donc aujourd'hui, il faut féliciter notre armée parce qu'elle tient vis-à-vis des deux armées qui existent et qui sont organisées. Ils ne sont pas infiltrés parce que notre armée n'est pas la moindre des armées. Nous avons l'histoire de la force publique dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons l'histoire des forces armées zaïroises. Cette armée était parmi les armées les plus fortes d'Afrique. Et elle l'est jusqu'à aujourd'hui. Mais à partir de 2000, lorsque cette histoire de négociation avec le rebelle a commencé, c'est à partir de ce moment que nos voisins se sont organisés pour affaiblir l'armée Nabissou. Affaiblir en haut comment? Chaque fois, groupe rebelle, Yaka, pour attaquer Bissau, ils ont des revendications. Le principal de leurs revendications, c'est de faire une réinsertion institutionnelle et militaire. C'est-à-dire, ceux qui, Azalaki, na kati ya groupe armé, wana, bande komi benga général ou bien colonel, tant wali koya wana kati ya négociation, il exige que nga, pour na koma wana mboka na kati ya Congo, il faut nga pe na koma colonel na kati ya armée congolaise. Et nous savons très bien ceux qui sont derrière ces gens, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Alors, chaque fois que ma négociation, tout ça dit ma négociation est belée, na kati ya ba négociation wana, ils nous ont infiltrés. Ils nous ont infiltrés par les opérations, il y a brassage, dans l'opération, il y a mixage. Parce que tant on voit, bien sûr, on a l'air de féliciter le président de la République et toutes les institutions. Parce que c'est une très bonne décision.
Ce qui le lot aux ongi na schéma, oh certains politiciens bali ko loba, il faut négocier dans le groupe wana, c'est que nous resterons toujours à genoux. Nous devons briser ce cercle une cette fois-ci parce que Makenga qui est aux commandes avec le groupe du M23 était ici à Kinshasa. Il a été amnistié. Il a participé aux négociations. Mais Nini Sali qui a zonga na Zamba a qui ne se renforcer pour aya ko attaquer biso bisous. Ça signifie que la position du gouvernement doit rester de marbre. Le gouvernement doit rester niet et de marbre dans sa position. Il y a qu'au bon, il y a qu'au négocier na ba groupe terroriste et principalement ceux qui bango balobi. Mais merci. Ceux qui balobi que bali ba congomani ba zonga ba citoyen simple na katia moka, mais pas question d'entrer dans les institutions, pas question d'entrer dans les forces armées. Et c'est une bonne position. Ndeko Félix Ntiamala, comment est-ce que vous réagir na idée y a union africaine qu'on s'est rabis au dialogue ou de kaoti koloba ko boy dialogue alors que biso to to ça qui déjà catégorique to boy dialogue les lo stratégie ezani ni ko ke na dialogue ko continuer ko négocier au topé ko continuer na ba affrontement ndenge sito bandi. Bon, je pense que ko dialoguer zala mabété hein. Ko dialoguer zala mabété parce que d'abord c'est que tu m'en connais pas, biso ba tout le monde. S'il y a un problème, il faut toujours se retrouver autour d'une table pour na kokanisa koloba ke nini asali mabe awa sengeli to sala nini po to longwana eloko wana. Mais ce qui n'est pas clair na oyo ya que République démocratique du Congo et dialoguer na ba M23 ne et que ça la passe dans communiqué ou à l'Union africaine, pourquoi vous demandez à un État ya qu'on négocie, qu'on dialogue dans un groupe rebelle pour n'en ça la ligne? Parce que, et c'est ce que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de payer dans l'Est, à part que vous allez que batoua libanda, batoua batoua qu'on vient au cannabis, mais il y a eu deux gens dans ce pays. Oyo baye na ndenge mosusu balakisa ki biso ki baza bandeko na biso, mais bazala ki bandeko na biso te baya ki ndeko kota na kati ya armée na biso nyonso wana ezanini lelo tanto okoloba ndeko akuti koloba makambo ya brassage na mixage ya armée na biso ezanini ezaka makambo etali dialogue non o non babengi bakupa armée nyonso autour d'une table to ya kota la pona nini guerre ko salema na est, mais eloko moko eza que si maya ko solo la wana bango pe ba ko lobake poto tika manduki esengeli to ko tape na gouvernement poto tika manduki esengeli pe to kende na kati ya armée ya mwana nde ba erreur esalama ki na tango kala to mwana ki ba mususu ba koti même na ba armée ba komi ba généraux. Oyebi ke na est wana nga jou moko na kendaki kuna na Goma ya ba genero mususu alinga ate ba tinda esika mususu soka yoki balinga ate yo sengeli okende bandundu kuna osavede akosala nyonso po atikala mopanzi wana. Pourquoi? Parce que ayebi ke esika o nde kop na nga ezali. Alors décision oyo assemblée nationale eza décision nga na bandaki kozela. Parce que, nous avons réclamé Baza na kati ya M23, wana bazolo ba ke baza ba Congolais. Ok. C'est-à-dire, elles sont plus importantes que ba Congolais, mususu wana. Il y a que non, babo ma bandeko, baza la quoi. C'est pour cela na loba que Bisomoko na kati ya République démocratique du Congo et sengeli tout saisir message au ya chef de l'État. Il est temps maintenant, il y a côté les mains. Yako yebisa munguna parce que munguna na ba kokota sima ya ba Paul Kagame parce que nyonso ko mwana wana ekosele mwana parce qu'il y a deux gens na kati armée o bazana kati ya ko pesa ba information claire et pas ya Rwanda o bazana kati ya ko pesa information claire et pas ya Uganda yangwana avant na ebiki to komi na suka na suki sa message na ngai na zo benga ba Congolais nyonso le 19 novembre awa na marche ya munene oyo Tolingi to soutenir vision ou ya chef de l'État. Ya mobilisation, to la kisa communauté internationale que to boyi ba makamboba na katia kosala. Alors, c'est 19, à partir ya 8h du Bosso Palais du Peuple, il y a déjà ekosalima partout au Congo.
société civile, aux journalistes, aux politiciens, aux nani, toya, toyebisa, ba oyo ba kosala, ezala ba oya biso ya kati, ezala ba oba di banda, toyebisa bango que il n'est pas encore le moment. Parce que esengeli tout élément pour que Congo, tout la te lamba o to banda ki komona na ndenga kala oyo, armé na biso ba banda ko bangango, ce qui ba yoki que les loli kamonde to banda ko yoka, ce qui ba beti mo mundu ki na kati ya Congo, moni ba zungi so, nani asali loko wana. Yango na nde loko to lingi que ba Congolais nyonso le 19, di boso a parler du peuple ti na primature, to redepose ba memo, to kene na ba mboka nyonso oyo ba ko sala hypocrisie na makambo oyo etali est. Parce que, esengeli ko yeba que, bandeko oyo ya communauté internationale. Tant qu'on voit la différence entre guerre et la Russie na Ukraine, on voit que France, États-Unis, ba ko tina ba milliards de dollars. Pourquoi? Parce que ba ko mona ba makambo na bango ko biba sur le plan économique, ya ba biloko ande ngwana. Mais tant qu'on voit que la République démocratique du Congo ba zo soutenir, ya ngwande au moins de ko Guterres ça c'est qui ça ngai ba ibisi que est-ce que beaucoup colons M23 le bique Tozana ba possibilité on a été pour la ligne parce que M23 ba ko za la mindu ki koleka oya biso. Très bien, merci mingi ndeko Félix. On ndeko désirer votre mot de la fin, position à partir na ezani tomoni bandeko mingi ba réagir na situation oyo. Est-ce que situation oyo ndenge ni kolonga ngo pona ko pacifier l'état démocratique du Congo rapidement votre ndeko Naomi, merci. Position à partir na biso yali biso to tambola ki le premier parti après l'adresse du chef de l'État à marcher, c'était l'Alliance populaire pour le social. Nous avons formulé des recommandations. Tout singa qui n'a pas causé un beau capé dans le gouvernement. Bakanga ba frontière na Ouganda. Bakanga ba frontière na Rwanda. Ba supprimer ba accord des économiques avec les deux États. Ba singa pe ambassadeur ya Ouganda. Azonga pe na mboka na bango. Ba rappeler pe ambassadeur ya biso. Ba pe sa ba moyen. Tout saluer déjà il y a de moyens. Tout singa qui pe na katia marche na biso que mixage est zalaté, brassage est zalaté. Gloire à Dieu. L'Assemblée nationale a adopté la résolution et tout ce qui est gouvernement à Bissau, qu'on dialogue, ce n'est pas mal. Mais on ne dialogue pas avec le M23, on dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais on ne négocie pas. Il n'y a pas un objet à négocier. On dialogue pour savoir pourquoi est-ce qu'il facilite les attaques vers chez nous. Mais par rapport aux groupes armés, ceux qui sont dans Katina Bango, les Congolais, les Zali, les Tébi, si Kana Bango est allé dans Katia société. Ce qui n'a mis tout na bango, idée, y'a kokota na ba institution, pe y'a kokota na armée zali, ba longolango, pambate, armée na biso et telemi, et nous la population, nous allons nous lever pour barrer la route à cette dérive qui est contre notre constitution. Et ce pays restera tel qu'il est, tel qu'on nous l'a légué par nos ancêtres. Biso pe ne keke na biso, toko légué ango na ba génération future. Tel qu'on nous l'a légué et le Congo ne sera pas balkanisé. Merci. Merci, merci beaucoup. Et Zalaki pour le Congo, tout ça qui n'a pas de Félix Tchamala, tout ça qui n'a pas de Désiré Timenkoui, tout ça qui n'a pas de Bolandi Bisso. Merci, Mingi, n'a pas de pour Bolandi Bisso partout dans le monde. Tout ça prochainement, toujours dans le cadre, il y a Manaka, il y a pour le Congo, tout l'inga Congo, tout le Congo, peut tout battre là, surtout intégrité territoriale, n'a pas le Congo restera un et indivisible. Tout prochainement, le Congo avant tout.